Yo les gens, c'est The First Day, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière et je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Val. Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans ce nouveau gameplay exclusif d'Assassin's Creed Valhalla. On y a joué pendant un peu plus de 6h30 et on est très content de vous montrer une partie, enfin quelques parties de notre session de jeu. Et donc, on va vous expliquer aujourd'hui ce qu'on a vu, on va vous commenter un peu tout ça et je vais laisser Valentin commencer tout simplement. Alors, il faut savoir que déjà la démo se déroule au début du jeu, peu après que Vorth soit arrivé en Angleterre avec ses comparses vikings et son demi-frère Sigurd. Donc, ça commence dans la colonie, là vous l'avez vu tout au début de la vidéo, et donc la colonie qui sera évidemment entièrement personnalisable, ça je pense qu'on le verra un peu plus tard dans le gameplay. On a vu aussi le Drakkar et là évidemment on joue avec Eivor Femme, vous l'aurez remarqué, qui est quand même vachement stylé. Je sais pas ce que t'en as pensé toi Maxime du charisme d'Eivor féminin. La version féminine est plutôt classe, je dois vous avouer que quand on nous a annoncé la sortie du jeu, enfin on nous a donné le pitch et les personnages qui seraient incarnables, je me suis tout de suite dit cette fois-ci je vais jouer la version masculine, parce que pour Odyssée j'avais joué Cassandra, mais au final après avoir mis la main dessus, je dois avouer que la VO de Eivor féminine est beaucoup plus classe et charismatique que la VO de la version masculine. Donc franchement je suis indécis pour savoir lequel des deux je vais jouer. Ouais, je suis un peu dans le même cas, c'est vrai que moi au départ j'étais parti pour Eivor masculin. Au final dans la démo on a vu pas mal de trucs stylés avec Eivor masculin, la barbe et tout, les coupes de cheveux, ça fait vraiment typiquement viking, mais je sais pas, je trouve que Eivor féminin dégage un certain truc, un petit style qui est vachement sympa, donc c'est vrai que ça va être très dur de faire notre choix. Alors pour info, on a joué dans une partie de la map qui s'appelle le Leicestershire. Je suis désolé si je prononce pas très bien. Leicestershire. Leicestershire. Donc, qui est situé plutôt au nord de la map, enfin au centre nord de la map. Et pour info, la colonie, elle se situe vraiment au milieu de la map, donc bordée par les rivières et pas très loin de la mer, ce qui permet justement un accès facile à tous les autres royaumes et à tout l'ensemble de la map du jeu, parce que comme la colonie se situe au centre, c'est un peu plus facile d'accéder à tout le reste. On a pu accéder que à ce royaume-là et à la colonie qui s'appelle Ravenstorp et du coup, on est justement dans la colonie. Et donc du coup, pour te couper juste rapidement, là, Eivor féminin, dans le plan juste avant, a récupéré une sorte d'artefact. Et donc ces artefacts, c'est des objets à collecter un peu partout sur la map. Et donc, ils vous permettront, une fois que vous retournerez dans votre colonie, donc du coup, qui s'appelle Ravenstorp, vous aurez juste à donner ces artefacts. Et donc, on ne sait pas encore comment ça marchera, s'il suffit de ramener juste un artefact ou si c'est seulement au bout de 2, 3, voire 4 artefacts. Mais une fois que vous les aurez donnés à un marchand précis, enfin à une personne précise, et bien vous débloquerez des éléments visuels pour votre colonie. Donc là, comme vous avez pu le voir, on a testé un petit peu le corbeau et ça nous a aussi permis un petit peu de voir au niveau des graphismes et de la distance d'affichage ce que ça donnait. Alors on sait pas du tout sur quoi la démo tournait, à mon avis c'était du PC surboosté. C'était très beau, franchement, la direction artistique elle est vraiment inspirée, on sent vraiment au cœur du Moyen-Âge, la colorimétrie fait très The Witcher, c'est vraiment, niveau ambiance je trouve qu'on peut difficilement mieux faire, je trouve qu'ils ont très bien réussi leur coup. Je sais pas toi ce que t'en penses au niveau de l'ambiance ou ce que t'as ressenti, mais moi je me suis vraiment senti chez les vikings quoi, c'était vraiment, vraiment assez impressionnant. Ah bah l'ambiance est parfaite, vraiment dès qu'on se plonge dans le jeu, que ce soit au niveau de l'ambiance sonore, des graphismes, n'importe quoi, jeu de lumière, tout ça, c'est très bien. Petit bémol par contre de mon côté, c'est que je pense qu'on jouait sur une version assez ancienne du jeu quand même, puisque le dernier thriller dont t'as fait l'analyse, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir juste en haut de l'écran, c'est affiché. Mais du coup sur le dernier thriller, les visages étaient vachement retouchés et vachement plus beaux. Là pour le coup dans la démo on a vu des visages qui étaient vachement beaux, du style comment il s'appelle le fils de Ivar, ouais. Ivar, c'est ça. Et donc Ivar a un visage vachement beau. Par contre le visage, que ce soit d'Eivor masculin ou Eivor féminin, les visages ne sont pas pareils que ceux qui ont été retouchés dans le thriller. Donc je pense que le jeu final sera encore plus beau que les images. Là je pense qu'on a joué à une preview ancienne, mais malgré tout je trouve que c'est quand même assez détaillé. Et là, vous pouvez le voir,
il y a un bureau des assassins, plutôt le bureau des Hidden Ones qui est présent dans la colonie. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment stylé. Il est présent dans la colonie, ça fait vraiment retour aux sources, retour à l'ancienne. Ça m'a vraiment fait penser au tout premier, avec Assassin's Creed 1 et ses différents bureaux des assassins qui étaient présents dans les villes. Là, pour le coup, c'est directement dans notre colonie, et c'est vraiment super stylé. Et sachant que c'est pas le seul qu'on a aperçu, normalement, oui, vous aurez une autre vidéo sur la chaîne vous parlant de l'importance des assassins dans ce prochain Assassin's Creed, donc restez connectés pour en apprendre plus. Voilà, là comme vous pouvez le voir, on peut interagir un peu partout avec la colonie pour la personnaliser, donc on peut y mettre des statues et différents ornements. C'est intéressant, on peut vraiment tout personnaliser, de la colonie en passant par Eivor, nos compagnons vikings, au drakkar, au cheval, au corbeau. Il y a vraiment tout un aspect personnalisation qui a l'air hyper travaillé dans Valhalla. Après, c'est vrai qu'on a joué à une démo et donc il n'y avait pas énormément d'options, je trouve. Enfin, à mon avis, il pourrait encore pousser un petit peu plus loin le délire de la personnalisation si vraiment il voulait aller au bout des choses et proposer encore plus de choix. Alors après, je sais pas si il y aura des mises à jour de contenu qui vont apporter des nouveaux tatouages, des nouvelles coupes, etc. Mais j'ai trouvé que dans la démo, ça manquait un petit peu de choix, je trouve, pour vraiment faire un Eivor à notre image. Il y avait que quelques tatouages, que quelques coupes de cheveux, et pour un Assassin's Creed qui se veut vraiment être au summum de la personnalisation, je trouve que ça faisait pas beaucoup, donc j'espère un petit peu de ce côté-là qu'il y aura quelques petites améliorations. Mais ne vous en faites pas, on est à l'époque des Vikings, et qui dit époque des Vikings dit la grande série Vikings, et ne vous en faites pas, il sera possible de se faire un Ragnar Lodbrok. Vous avez toutes les coiffures qu'il a eues, vous avez les barbes qu'il a eues, vous pouvez vraiment vous faire votre propre Ragnar Lodbrok. Et donc là, tant qu'on est encore au centre du village, puisque du coup le tattoo shop auquel on a eu accès se trouve dans notre village, il faut savoir que l'immersion est au cœur de ce jeu, et quand je dis immersion, c'est là vraiment au niveau des détails. Vous pouvez interagir un peu partout autour de vous, au niveau de votre environnement, que ce soit pour vous asseoir à une table, à une chaise, vous mettre sur la chaise du chef du clan, aller dormir pour faire passer le temps, et tout ça. C'est vraiment on a vraiment misé sur l'immersion, c'est des petits détails qui font qu'on a vraiment l'impression d'être dans un vrai monde vivant dans lequel on peut vraiment tout faire, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de détails qui sont assez cool. Par exemple, quand on fait des raids, au départ, quand on est sur notre drakkar, on se balade, hop, on voit un petit village, on se dit, oh tiens, ça serait là peut-être l'occasion pour apporter quelques petites ressources à la colonie. D'ailleurs, les ressources qui sont assez rares à looter, on les loot beaucoup moins massivement que dans Assassin's Creed Odyssey, par exemple. Là, il y a vraiment un ou deux coffres qui se trouvent planqués quelque part, par exemple, dans un monastère. Et justement, il y a pas mal de petits détails assez stylés. Quand on arrive, c'est vraiment intact. C'est vraiment les gens font leur petite vie tranquille, les moines font leur prière, les soldats font leur petite vie tranquille. Et quand on met à sac le monastère, il y a du feu partout, il y a des cadavres. Enfin, on sent vraiment qu'il y a un combat qui s'est passé. Il y a de la destruction. Enfin, c'est vraiment, on sent qu'on est passé par là, qu'il y a eu un affrontement et que le lieu a été mis à sac. Donc, c'est vraiment super détaillé. Et c'est tous ces petits détails qui font la différence et qui renforcent encore plus l'immersion. Et puis, c'est d'autant plus théâtral, par exemple, du coup pendant un raid, t'étais rentré dans une église pour aller piller, et entre le moment où t'es rentré dans l'église et le moment où t'es ressorti, l'ambiance autour de cette église avait totalement changé. On est rentré, c'était grand soleil, pas de feu, rien du tout. On est ressorti, c'était vraiment super sombre, avec des lumières rouges pour montrer que c'était dans le chaos, avec les flammes qui étaient un peu partout. On sent vraiment l'ambiance pesante du fait que les Vikings soient passés par là et tout mis à ça. C'est ça. Et en plus, les PNJ sont, je trouve, pas cons. Enfin, vraiment, ils combattent, ils vont foutre le feu aux maisons, ils vont vous aider. Et vous aurez besoin d'eux, d'ailleurs, pour débloquer des coffres ou pour enfoncer certaines portes. Et donc, il vous suffira juste d'appuyer sur un petit bouton. Et puis, il y a un de vos alliés vikings, que d'ailleurs, vous aurez pu personnaliser entièrement, qui viendra vous donner un petit coup de main. Et si jamais ils tombent au combat, vous pouvez toujours les réanimer. Donc, c'est plutôt sympa. Ceci dit, petit point négatif pour la personnalisation des vikings qui pourront nous accompagner. Alors, on ne sait pas si ça sera comme ça dans la version finale, mais c'était un bouton de génération procédurale. Donc, vous cliquez, c'était complètement aléatoire. Je trouve ça dommage parce que s'ils ont mis en place un système de procédure
de génération procédurale, c'est que derrière, ils ont pas mal d'assets qui sont mis en place pour écarter les yeux et tout ça. Donc je trouve ça dommage de ne pas donner à avoir, de ne pas avoir laissé la possibilité aux joueurs de vraiment faire le Vikings de ses rêves. Ouais. Alors là, c'est vrai que pour recontextualiser un petit peu la démo, donc on l'a dit au tout début, on est arrivé en Angleterre dans la colonie, et donc le grosso modo, le pitch de la démo, c'était de finalement conquérir l'Eders Essentiaire en faisant des alliances d'une part et en faisant des raids et des attaques d'autre part, et on y a rencontré Ivar et Ubbe Ragnarsson, qui sont donc les fils de Ragnar Lodbrok. Dans la démo, qu'est-ce qui t'a, toi, le plus impressionné, et notamment par rapport à la dernière fois où on avait joué? Alors, par rapport à la dernière fois où on avait joué, je vais pas dire qu'il y a quelque chose qui avait drastiquement changé, mais pour le coup, par rapport à la dernière fois où on avait joué, il n'y avait pas de personnage qui m'avait tant marqué que ça lors de la précédente démo. Et pour aller encore plus loin, il n'y avait pas de personnage qui m'avait tant marqué que ça sur Assassin's Creed Odyssey. Et là, en 6 heures de jeu, on arrive là-dedans, on découvre des personnages, dont un notamment, donc Ivar. Ouais. Et franchement, en 6 heures de jeu, je suis tombé amoureux. Il te sort de ses punchlines, il te fait de ses actions. Tu te dis vraiment, tout peut arriver à cause de ce personnage. C'est énorme. Puis il est trop marrant, je me souviens à chaque fois qu'on se regardait et on se marrait quand il sortait des conneries, ou il provoquait, ou il sortait de ses trucs, enfin c'était super marrant. Donc on sent vraiment qu'ils ont travaillé sur la narration et sur l'écriture des personnages et des dialogues, et aussi des cinématiques qui sont justement, je trouve, très stylées. On est revenu là-dessus plusieurs fois, on s'est dit « waouh, mais c'est trop stylé ». En fait, contrairement à Origins et Odyssey, où les personnages étaient en espèce de pause avec un balai dans le cul et une pause pas dynamique. Dans la saga, seulement du chant contre chant en plus. Ouais, c'est ça, en fait, il y a vraiment un gros travail, il y a vraiment la présence de vraies bonnes cinématiques comme à l'époque, et en fait, il y a des espèces de transitions et de moments de pause où, quand vous aurez à faire un choix, la posture, en tout cas, des personnages est assez stylée, et le visage est vraiment détaillé. On n'a plus l'impression que c'est des espèces de marionnettes et de poupées de cire comme dans Odyssey. Donc il y a eu un peu de progrès sur ce niveau-là, même si, on va pas se le cacher, il y a certains assets qui sont repris d'Odyssey. Et gros progrès aussi, je trouve, dans Odyssey, lorsqu'on avait un choix à effectuer. Du coup, comme tu le disais, l'écran se mettait en pause. Et en fonction du choix qu'on prenait, on voyait que c'était plusieurs bouts de cinématiques qui, en fonction de ton choix, étaient racolés, parce que la position changeait un petit peu. Tu voyais un petit coup de saccade et Cassandra ou Alexos qui changeaient de position un petit peu. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment, ça se met en pause et ça s'enchaîne. C'est super fluide. C'est ça. Au niveau des, là en plus vous voyez une cinématique, donc il y a vraiment de la mise en scène qui est, bon alors c'est pas au niveau de certains gros blockbusters exclusifs à Sony, je pense qu'on se passera de donner le nom, vous aurez très vite compris de quel jeu je veux parler, mais en tout cas c'est présent, et c'était quelque chose qui était absent d'Odyssey, donc ça fait vraiment plaisir de retrouver tout ce travail de mise en scène et de narration qui renforce justement l'attachement qu'on peut avoir avec certains personnages qui sont, pour le coup, bien écrits. On vient de parler d'Ivar, et c'est justement le cas. D'ailleurs, l'arc narratif auquel on a joué, il se concentre vraiment sur certains personnages. Et ça, c'est quelque chose qui avait été annoncé par Darby McDavid, qui est le directeur scénaristique du jeu, qui nous disait que, justement, c'était exprès pour qu'on s'attache un peu plus aux personnages, et je trouve qu'ils ont vraiment réussi ce coup-là. En 6 heures de jeu, on suit quelques protagonistes, et justement, ces protagonistes, on va s'y attacher, et plus tard, on va les croiser en jeu, et c'est ce qui va faire que, finalement, il y a un lien qui se crée avec le joueur et avec ces personnages-là. Alors, on a parlé des points positifs en disant que les personnages étaient attachants et que les visages étaient bien modélisés, cinématiques de qualité, mais petit point négatif sur certaines textures, comme vous voyez à l'écran. Quand la caméra est vraiment proche, on voit des lacunes quand même au niveau de la qualité des textures. Là, honnêtement, c'est pas pour trash talk, mais c'est même pas au niveau de la PS3, des textures comme ça,
d'aussi loin, ça fait vraiment PlayStation 2. Après, dans l'ensemble, quand on regarde comme ça, comme ce que vous avez à l'écran, c'est super beau, mais dès qu'on s'approche de certaines textures, c'est pas beau. Et c'est pas un problème de chargement, parce que le plan de la cinématique était vraiment constant, c'est ouais. juste un problème de texture. Ouais, ou alors c'est un bug, hein. On va quand même rappeler pour les gens qui nous regardent que le jeu est pas encore fini, qu'on a joué à une démo, donc un build qui est pas du tout définitif, et en quelques mois, je pense qu'ils ont encore le temps largement de s'améliorer et de corriger les quelques bugs de changement de texture. Sachant que le jeu n'est pas encore gold. Ouais, le jeu est pas encore gold, donc je pense qu'ils ont encore une belle marge de manœuvre. Et bah, c'est aussi à ça que ça sert, les démos. C'est noter les points positifs, mais aussi à noter les points négatifs pour qu'ils puissent s'améliorer. Et d'accord, d'ailleurs là-dessus, je pense qu'on a en partie été entendu sur certains points. Oui. À commencer par les combats, qui sont assez lourd et un peu plus on va dire bourrin, dans le sens où on sent les impacts qu'on donne, et ça je trouve que c'est un vrai plus par rapport à l'ancienne version à laquelle on avait joué. On avait l'impression que le combat était lourd, mais c'était pas encore tout à fait ça, c'était un petit peu brouillon. Là on a ressenti vraiment une nette amélioration, de mon côté en tout cas, je sais pas du tien. Si, il y a des bons. Donc vraiment c'était très cool, les combats sont bien nerveux, sont bien vikings, il y a de la décapitation, il y a du démembrement, il y a des animations de finish qui sont très stylées, qui sont d'ailleurs un peu plus nombreuses qu'avant, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, et les capacités sont terre à terre. Et en plus de ça, pour les combats, les capacités sont terre à terre. C'est pas des pouvoirs mystiques, machin chose, c'est un lancer de hache, une décapitation bien placée. Un harpon, tous les trucs. Ouais, c'est ça. C'est vraiment réaliste. On n'est pas un demi-dieu dans Valhalla par rapport à ce qu'on était dans Odyssey. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les combats sont bien, mais il y a toujours un abus, je trouve, de dash, enfin d'esquive. Oui, ouais. Qui rend le tout encore un petit peu bordélique et brouillon. On sent que voilà, il se base encore sur un système qui a été introduit avec Origins. C'est toujours plus ou moins le même système de combat qui a été un peu mis à jour et amélioré, on va dire. Mais voilà, c'est toujours un petit peu bordélique. Après, si on n'en abuse pas, je trouve que ça se joue bien. Parce que il y a quand même un système d'endurance, donc vous pouvez pas trop faire n'importe quoi, vous pouvez pas trop enchaîner de coups, vous pouvez pas trop esquiver tout le temps, sinon bah, votre personnage sera plus bon à rien. Et tu parlais de demi-dieu juste avant, alors on a plus la capacité, enfin en tout cas on ne l'a pas vu, cette capacité qui vous permet de sauter d'un point à 150 mètres de hauteur et de ne pas mourir en vous écrasant au sol. Là vous perdez de la santé, mais on a remarqué que la distance, enfin la hauteur de chute pour mourir était très élevé. Ouais. On a fait des chutes qui étaient énormes. Et certes, il nous restait un pixel de vie, mais on n'était pas mort. Ouais, c'est ça. Là, comme vous voyez, du coup, quand on utilise le corbeau, les points ne sont pas pingés automatiquement. Vous avez une sorte de zone bleutée qui apparaît. Et donc, c'est dans cette zone que vous devez explorer. Alors après, à voir, je ne sais pas si tu sais sur quel type de gameplay on a joué. Pour les précédents, on avait exploration ou alors guidé. Alors du coup, j'espère que ce mode-là sera exclusif au mode exploration, parce que si les personnes en mode guidé sont obligées de chercher dans des zones, c'est pas folichon. Je sais même pas s'il y aura un mode guidé sur celui-là d'ailleurs. Je sais pas du tout. Parce que là, du coup, le corbeau, c'est vraiment, il est là en fait pour explorer. Et c'est plus tellement un espèce de drone qui va vous servir à spotter les ennemis. Le corbeau il sert plus du tout à ça. Hein. Vous pouvez essayer. Nous on a essayé, ça a pas marché. On peut plus spotter les ennemis. Le corbeau il sert simplement à repérer de loin ses objectifs et ses locations, enfin ses lieux finalement d'intérêt. Mais il sert plus du tout à spotter des trucs. Ça c'est le rôle de la vision d'Odin, donc le Odin Sight, qui remplace ce rôle là qu'avait l'aigle dans les précédents. Donc le corbeau il est vraiment là pour ça, et je pense pas qu'on aura de mode guidé. Enfin, en tout cas ça m'étonnerait, parce que vraiment le corbeau il fait bien le boulot je trouve, et ça nous a empêché à très nombreuses reprises de nous rendre sur la map et d'utiliser le corbeau à la place, qui
donne encore plus d'immersion, et ça, c'est vraiment cool. Et pour terminer cette vidéo, pour remercier ceux qui sont restés jusqu'au bout, on va vous lâcher une news qui est plutôt intéressante, qui nous a choqués tous quand on l'a entendu. Alors certes, oui, il y aura la présence de mondes mythologiques dans Assassin's Creed Valhalla, mais en plus de ça, on nous a révélé que l'Amérique serait présente dans le jeu. Alors sous quelle forme ? Quelle zone de l'Amérique ? On n'en sait pas plus, mais en tout cas, elle sera bel et bien présente. Bon bah les gars, écoutez, on espère vraiment que cette petite vidéo de gameplay vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire, à nous dire si vous attendez Assassin's Creed Valhalla. En attendant, vous pouvez retrouver notre preview ultra complète sur Assassin's Creed Valhalla avec les nouveautés et les changements par rapport à la dernière version juste ici. Et c'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous ne pouvez pas aller voir les autres, comme vient de le dire Val, qui sont sortis en même temps, puisque je tiens à le rappeler, ce sont dans chaque vidéo des informations exclusives. Donc vous avez des informations qui sont communes, mais dans chacune des vidéos vous avez des infos que vous ne trouverez nulle part ailleurs, en tout cas pas sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir, même si vous avez vu plusieurs autres vidéos. Enfin bref, on espère que cette vidéo vous aura plu. C'était First et Val en direct de la Pixel Experience, et prenez soin de vous. Ciao ciao.